Fax reste en deuxième position. Elmado qui est troisième avec Asiel du Val d'Or, quatrième place. Hashtag du Lion, le numéro 7, pardon, Istro, qui vient maintenant avec à l'extérieur et Billy Billy qui fait un bel effort au poteau du dernier kilomètre. Et Billy Billy qui continue de progresser en troisième épaisseur pour le moment, mais qui vient en 4-5e position. On accélère quelque peu l'allure pour aborder et sortir de ce virage. L'écurie a abordé une dernière fois la ligne d'en face avec Éclair qui est toujours au commandement de cette épreuve. Et Billy Billy qui continue sa progression en dehors. Artefax qui est en troisième position avec El Madoc toujours bien calé le long de la corde. Les concurrents qui se dirigent maintenant vers le virage final. Toujours la pole position pour ce numéro 10 Éclair qui a nettement le meilleur sur Artefax. El Madoc reste en troisième position et Billy Billy pour l'instant ne progresse plus mais toujours en quatrième position. Place. Il nous reste environ 350 mètres de course à parcourir avec deux concurrents qui tentent de faire le forcing avec R. Éclair, alors qu'on a disqualifié le numéro 14 As de cœur. C'est Éclair qui rentre dans la dernière, détaché dans la dernière ligne droite avec Artefax qui vient en deuxième position et à l'extérieur, Istro. Istro qui termine très très vite à l'extérieur. Maintenant, Istro qui termine de plus en plus vite, mais Éclair a pris nettement le meilleur pour le moment. C'est Éclair qui va l'emporter. Artefax va garder la deuxième place et le numéro 7 sera troisième. 18, 7, 12 et 11. Arrivé chiffré et provisoire. La victoire donc pour le numéro 10 Éclair qui remporte donc ce prix de Tinqueux. 10, 8, on arrive chiffré et provisoire. Mesdames, Messieurs les parieurs, attention au départ, les concurrents sont sous les ordres. Départ. Attention au départ. Et c'est parti pour ce prix de Tinqueux avec Artefax qui a pris l'un des meilleurs départs, accompagné par Heroica également. Qui vient très vite, Heroica, prendre le train à son compte. La deuxième position pour Arziel du Val d'Or. La troisième pour Artefax. La quatrième place pour le moment pour Elma Doc, avec, suivi par Hashtag du Lion, un petit peu à l'extérieur maintenant, Éclair. Et les deux concurrents As de cœur et Hors-Bord qui rendaient 25 mètres sont à l'arrière-garde pour le moment, mais ont refait leurs 25 mètres et collent au derrière du peloton. Alors que le peloton va sortir du virage des écuries maintenant, aborder la ligne d'en face. Et c'est Asiel du Val d'Or qui mène avec à sa hauteur maintenant le numéro 9 qui a fait un beau rapproché, El Madoc. El Madoc qui continue de progresser et qui passe en tête maintenant. Asiel du Val d'Or reste dans son sillage. Éclair vient à l'extérieur avec venant à Artefax également, accompagné par le numéro 5, Heroica, le long de la corde. Puis viennent ensuite Hashtag du Lion. Les concurrents qui vont aborder le deuxième virage avec toujours le même ordre en tête, avec Éclair qui fait le forcing un petit peu et qui passe en tête. Éclair passe en tête, El Madoc reste en deuxième position. Artefax vient à l'extérieur maintenant, avec également toujours en bonne place Istro et Hashtag du Lion. Les concurrents qui vont aborder le dernier tour de piste, on est à 1200 mètres de l'arrivée, ils passent devant les tribunes avec toujours le même ordre en tête avec Éclair, le numéro 10. Artefax reste en deuxième position. El Madoc est troisième avec Asiel du Val d'Or, quatrième place. Hashtag du Lion, le numéro 7, pardon, Istro, qui vient maintenant avec à l'extérieur. Et Billy Billy qui fait un bel effort au poteau du dernier kilomètre. Et Billy Billy qui continue de progresser en troisième épaisseur pour le moment, mais qui vient en 4-5e position. On accélère quelque peu l'allure pour aborder et sortir de ce virage. L'écurie a abordé une dernière fois la ligne d'en face avec Éclair qui est toujours au commandement de cette épreuve. Et
et Billy Billy qui continue sa progression en dehors. Artefax qui est en troisième position avec El Madoc toujours bien calé le long de la corde. Les concurrents qui se dirigent maintenant vers le virage final. Toujours la pole position pour ce numéro 10 Éclair qui a nettement le meilleur sur Artefax. El Madoc reste en troisième position et Billy Billy pour l'instant ne progresse plus mais toujours en quatrième place. Il nous reste environ 350 mètres de course à parcourir avec deux concurrents qui tentent de faire le forcing avec R Éclair, alors qu'on a disqualifié le numéro 14 As de cœur. C'est Éclair qui rentre dans la dernière, détaché dans la dernière ligne droite avec Artefax qui vient en deuxième position et à l'extérieur, Istro. Istro qui termine très très vite à l'extérieur. Maintenant, Istro qui termine de plus en plus vite, mais Éclair a pris nettement le meilleur pour le moment. C'est Éclair qui va l'emporter. Artefax va garder la deuxième place et le numéro 7 sera troisième. 10, 8, 7, 12 et 11. Arrivée chiffrée et provisoire.